Est-ce que tu sais quel film français a connu le plus gros succès au box-office? Allez, je suis sûr que t'as une petite idée. En vrai, c'est un peu de la triche, parce que même si le réalisateur est français, la recette secrète utilisée pour faire le film utilise tous les codes des blockbusters américains. À savoir, un gros budget, des acteurs internationaux, grosse publicité, et surtout des campagnes marketing internationales. Bon, du coup, le film français le plus rentable, c'est Lucie. Il a été réalisé par Luc Besson, avec dans le rôle principal Scarlett Johansson. D'ailleurs, j'en profite. Je sais pas si t'as déjà entendu la croyance populaire qui dit qu'on n'utiliserait que 10% des capacités de notre cerveau. Eh bien, l'histoire du film est basée sur une jeune femme qui parvient justement à dépasser ses 10% grâce à un produit expérimental qui lui est injecté. S'ensuit tout un bordel avec de la mafia coréenne, des scènes d'action, des scènes complètement what the fuck grâce aux folles capacités développées par le personnage qu'interprète Scarlett. En vrai, le film, il est pas terrible si tu veux mon avis. Donc je te le recommande pas forcément. Mais c'est quand même intéressant de savoir que la France arrive à avoir un rayonnement mondial avec certains de ses films, non? Bon, les recettes sont bien loin des grands films américains avec seulement 463 millions de dollars de recettes. Faut savoir que Luc Besson a 3 films dans le top 10 des films français les plus rentables. Alors, t'as aimé le film toi ou pas?